Bien le bonjour la YouTube sphère, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais décorer un pickguard, je ne sais pas trop si la prononciation est bonne, qui appartient tout simplement à mon père, hein, qui joue de la guitare électrique. Et donc il avait ce vieux pickguard qui a déteint avec le temps, qui est blanc de base, mais qui a un petit peu jauni avec le temps. Il m'est proposé de faire la décoration, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire. Eh ben, j'ai trouvé une idée. Donc, tous les produits sont des produits PBO et j'ai tous acheté chez Cultura. Alors, j'ai d'abord commencé par utiliser un cerne-relief doré pour faire tout le contour. Le principe, c'est d'empêcher quand même la peinture de couler et ça fait un petit peu un côté décoratif aussi. Donc, je fais bien tout le tour du pickguard et aussi le tour au niveau des trous. Et puis après, je m'attaque à la peinture. Donc, au niveau des peintures, tout PBO aussi, acheté chez Cultura, on va avoir du vitrail, du moon et du prisme au niveau des peintures. Et puis après, avec différentes couleurs, c'est moi qui ai choisi. Après, on choisit vraiment ce qu'on veut, quoi. Je vous laisse du coup en musique avec un petit peu de guitare, on reste dans le thème.
On en arrive à la fin de la vidéo, donc du coup après la peinture va bouger pendant encore 6 heures, donc ça va faire des effets, les différentes peintures vont fusionner les unes dans les autres, ça va vraiment faire de très très beaux effets. Et je vous conseille du coup de ne pas toucher pendant une semaine, normalement c'est pendant 72 heures, il faut compter le temps de sèche, mais plutôt une semaine pour être sûr. Je vous conseille de le couvrir aussi parce que ça pourrait aussi attirer la poussière. Et ce que j'ai utilisé, le cerne de relief, faut à peu près compter une heure de sèche avant de vraiment commencer à faire la peinture. Et aussi très important, l'odeur qui émane des peintures est vraiment pas très agréable. Donc je vous conseille de pouvoir vraiment le couvrir en entier pour ne pas parfumer l'ensemble de votre pièce parce que sinon ça fait un petit peu chimique. Tada! Voilà le résultat!